Eh bien, yo tout le monde, avant que la vidéo commence, je vous invite fortement à regarder dans la description parce que la corporation de la DGT me recrute toujours. Donc, si vous n'avez pas de corporation, si vous jouez seul ou avec des amis, n'hésitez pas, on recrute toujours. Rejoignez notre aventure. Voilà, le but c'est de s'amuser et d'avoir un maximum de personnes pour l'avenir de Star Citizen. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description et à faire votre candidature sur le site pour nous rejoindre. Et puis bah tout le monde est les bienvenus, j'ai envie de vous dire, que vous soyez débutant ou vétéran sur le jeu, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et n'oubliez pas aussi dans la description, il y a mon lien de parrainage pour tous les nouveaux joueurs de Star Citizen, pour tous les nouveaux comptes, n'hésitez pas à mettre mon lien de parrainage, ça fera extrêmement plaisir. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Merci à tous, bonne vidéo. Eh bien yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Une vidéo assez intéressante dans le fond. Parce que je trouve que c'est sous-coté, et même moi je l'ai découvert en faisant le guide des débutants. J'ai remarqué que les bunkers étaient beaucoup plus intéressants que ce que l'on pourrait croire. Pourquoi? Je m'explique. Tout simplement parce que j'ai fait un bunker, enfin des bunkers, tout ce qui est épave, je les ai fait... j'en ai fait hier, et en fait j'ai remarqué que l'argent remonte très rapidement. Alors, laissez-moi vous expliquer. J'étais à 8 500 000, un truc dans le genre, et je, ou un petit peu plus peut-être, mais en tout cas je me suis fait 100 à 200 000 en quelques, en même pas une heure et demie je crois, il me semble. Donc c'est très peu concernant comparé à du Reclaimer ou d'autres quêtes dans ce style où tu peux faire des millions à l'heure. Mais à savoir que il n'y a pas que ça quoi, on gagne autre chose. Enfin moi personnellement je trouve ça intéressant parce qu'on peut récupérer du stuff T3 avec des armes DFS9 à foison et des munitions à foison. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très important, et là selon la mission qu'on va avoir vous verrez que c'est assez important. Donc n'oubliez surtout pas, on prend les appels aux armes. Voilà, donc tac, là vous retournez dans mercenaire, et là c'est expulsé, donc là on en a qu'une, donc c'est pas worth, enfin aller à 5000, c'est pas, ah, là il y a une qui vient de spawn à 20 000, donc là hop, on va l'accepter, hop, suivre, parce que bien entendu faut la suivre pour l'avoir, donc elle doit pas être très très loin. Non, elle est juste là. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve dès que je suis dessus. Donc nous revoici à maintenant 8000 mètres du lieu où on doit se rendre. Donc j'espère juste que ce sera un petit peu plus... un peu moins dégagé pour que... Parce que c'est une zone hostile. Il me semble que c'est une zone hostile en plus. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que direct, on va prendre... on va se mettre derrière la montagne. Tac. Donc pourquoi je vous disais que c'est très intéressant. Et puis on se tape. Petite tempête des familles. Ça n'a pas l'air de passer. Allez. Voilà. J'ai vu qu'il y a un petit creux. Ok, bon, petit bug. Je sais pas pourquoi j'ai pété, mais c'est pas grave, au pire des cas. C'est qu'un petit détail parmi tant d'autres. Hein. Je sais pas. Attendez, c'est peut-être parce qu'il y a. Même pas, je sais pas. J'allais pas vite, donc je. Bon, ouais, c'est pas grave. J'irai me chercher un autre vaisseau juste après. C'est pas un souci où je fais le reclaim. On verra. Là, faut juste que je retrouve, du coup, je crois que c'était par là-bas. Le bunker. J'ai monté au-dessus de la colline. Donc pourquoi je dis que ça peut rapporter énormément, ça peut rapporter pas mal de trucs. C'est tout simplement, on peut...
Lui, j'aimerais bien. What? Il a pas tourné pourtant. C'est pas ça là? Non. Bah. Je suis pas fou, il y avait un bunker là à l'ancienne. Et puis là pour le retrouver. La tempête va pas nous aider. Là-bas, oui, là-bas. Je viens de voir les... Ok. Alors, écoutez, je vous retrouve dès que je suis devant la porte. Donc, nous, voici à l'intérieur, les amis. Donc, comme je vous disais, pour en fait, ce qui rapporte le plus, bah, c'est surtout parce qu'on trouve des FS9 comme celle-ci, là. Et des armures T3. Excusez-moi, j'ai éternué. Je préfère couper le micro pour éviter que ça déglingue les oreilles. Donc c'est assez... on en trouve énormément. Donc c'est assez une arme aussi qui est assez recherchée. Tac. Donc vous voyez, ils ont pas mal d'effets snob, mais encore là, c'est vraiment petit, hein. Comparé à ce qu'on peut trouver d'habitude, c'est vraiment le minimum, quoi. Hop, ça on va prendre. C'est même pas une FS9 qu'ils ont. Ils ont le fusil à pompe. Ouais, ils ont le fusil à pompe. Là, ici. Mais en gros, moi, hier, par exemple, j'ai fait un bunker. Je suis dans 2 secondes. Et comme vous voyez, à chaque kill... A chaque kill, c'est 500 balles. Regardez, hop, encore. Heureusement qu'ils sont pas non plus très très fut, hein, parce que là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait de la merde. Il aurait pu largement... me déglinguer. Donc c'est pour ça autant profiter de faire un stock de mules, même si on sait très bien que ça ne va pas durer éternellement. Genre il va y avoir le reset, mais on a le temps encore un peu, donc autant profiter et se faire une petite un petit stock d'armes comme ça. Merde, j'ai pris le casque alors que je n'ai complètement rien à foutre. Hop. Voilà, moi je suis juste là pour refaire le bunker et encore celui-là. C'est juste pour activer les autres missions que vous allez voir après. Parce que moi hier j'en ai eu une, j'ai eu 240 mecs à buter. Donc vous allez voir que... si on arrive à tomber dessus, c'est insane. Parce que imaginez 500 AUEC par kill. Donc ça fait quand même... pas mal de kills. Et 10 kills, ça fait 5000. 20 kills, ça fait 10 000. Si je suis pas con, dans mes calculs. Donc imaginez un peu le nombre d'argent qu'on peut se faire. C'est pour ça que je dis aussi, c'est bien. Et en vrai, moi, je vais peut-être pas le vous faire dans cet épisode, mais si je vous remonte les armures que j'ai rappel, je vais vous faire câbler. Vraiment, c'est ouf ce que j'ai réussi à récupérer. Donc, les amis, après avoir réclamé mon vaisseau et moult péripéties, nous revoici une game. Donc là, j'en ai une à 20 000, donc faut que j'en prenne 20 000. Là, voilà, 30 000. C'est celle-là que je cherchais. Donc ce sera certainement la dernière parce que vous allez voir que c'est parfois très très long. Selon ce qui est demandé. Donc là, grimement de Cooper. Cric qui pleure. Ouais non, là on n'aura pas même le même taux que j'ai eu. Par exemple, moi comme je vous avais dit, je te rappelle, j'avais eu 240
240 PNJ à tuer. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo, là où on va, c'est là où je m'étais fait tuer par un PNJ, par un mec. Alors que j'étais venu tuer des PNJ. On va voir. Ouais, Creek Keeper, c'est juste à côté. Ah, quoique, non, c'est. Normalement, moi, c'était à la Creek Keeper, c'était pas. À côté. De toute façon, on va voir. Comme je dis, ça sera certainement le. Parce que c'est celle-là. Cette mission exactement que je voulais vous montrer. Et puis, de toute façon, vu que je vais commencer une petite série. Sur les bunkers, entre guillemets, une petite série. Bon, c'est vite dit, hein. Je vais pas dire que je vais faire une série de 50 000 épisodes ou quoi. C'est juste que j'aimerais vous montrer quand on monte le top du top en termes de bunkers, ce que ça fait. Parce que normalement, le max, c'est 90 000 par bunker. Là, on est à 30 000. On est déjà à 30 000. Donc après, ça dépend par combien ça monte. Donc là, c'est le même. Ok, d'accord. Oui, si, c'est la même chose que la dernière fois. Ok. Donc là, j'espère juste que lorsque là-bas je vois un vaisseau. Je me demande si vraiment je suis obligé de descendre. Parce que j'avoue que la dernière fois ça a pué la merde. Voilà, j'ai tout éteint comme un con, mais il aurait pas fallu. C'est pas grave. Allez, let's go. On a 19 kills à faire. Je fais attention parce qu'il pourrait très bien y avoir le... Un mec. Bon là on va rafale hein. Oh d'accord, en plus ouais il détecte au fil du temps des d'autres hostilités. Ok d'accord ouais c'est une mission prostituée. Là c'est du taf T3 au sol, c'est là où dernière vidéo excusez-moi où j'avais récupéré le stock que j'ai actuellement. Puis j'ai sûrement. Voilà. Je voulais finir. Ils ont pas ce que je veux. Donc là, 31 700, vu qu'il y a un bonus. Plus les 500 UEC par kill fait, hein, d'ailleurs. Par la même occasion. Donc là, ils avaient que des piquettes à air. Est-ce qu'on s'en ferait pas une dernière? Parce qu'en vrai, ça a duré très peu de temps, celle-ci. Et en soi... Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir si je peux pas en trouver une petite dernière, les amis. Alors, ce que j'ai oublié de vous faire voir, les amis, c'est quand vous allez dans les réputations et vous allez dans Hearthstone Sécurité, parce que là, c'est actuellement, on le fait sur Hearthstone. C'est là où je le fais. Comme vous voyez, à chaque level, vous pouvez avoir des bonus. Donc en gros, voilà, au bout d'un moment, vous êtes level 6, c'est 20% des paiements en bonus, quoi. Donc c'est quand même énorme, et je crois que c'est justement là où on atteindra les 90 000 EUC. Là, je pense qu'on a 30 000, là 40, 50, même plus, parce que ouais, c'est vrai que là, c'est 50, 70, et là 90. Et du coup, là,
Bah, dès que vous montez tout ça, en fait, faut monter ça pour avoir les levels supérieurs, on va dire. Donc là, on va prendre celle de 20 000, même si... Ou alors, si ça va être un... Non. On va rester sur ça. Tac. Je m'y rends tout de suite, sauf si elle est pas très loin. En vrai, on va y aller en vidéo tranquillement. Vous voyez, la mission de 30 000 que je viens de faire, c'est... déjà, elle a été faite très rapidement. Je dis pas que c'est un truc qui va vous rapporter des millions. Mais genre, par exemple, pour récupérer un bon stuff, sans payer ou quoi, à l'avenir, ce sera un bon moyen, je pense. Surtout si vous commencez le jeu. Limite, c'est stuffé gratuitement, quoi. Là, j'aurais été avec une arme à feu. Enfin, pour le moment, parce que les PNJ sont pas très hackés. Mais c'est quand même un stuff gratuit pour le moment, en tout cas. Donc là, moi, je vous montre surtout ça pour vous montrer qu'on peut avoir du stuff gratuitement. Parce que ça rapporte des AUC, mais pas non plus des millions. Qu'on soit bien d'accord. C'est juste, on va dire, de la monnaie, même si en vrai, de vrai... moi je sais que c'était peut-être un bug hier, hein, les 240 PNJ, hein, c'est... Mais... ça rapporte de la thune de fou furieux. Quand j'avais eu le bug, ça m'a rapporté de la thune de fou furieux. Parce que, bah, à savoir que... quand tu fais... tu tues deux mecs et t'as 1000 balles... 10 mecs 5000... 20 mecs 10 000... Je vous laisse faire le compte, hein, on peut attendre... bah on atteint les 100 000 AUC très facilement. Pour ça, c'est une propriété privée, comme d'hab. C'est pour ça que j'aime pas trop ce genre de mission avec les tourelles, parce que maintenant, à savoir que les tourelles font très très mal. Mais quand je vous dis très très mal, c'est... à pic, quoi. Hop, allez. Vous laissez quand même le bouclier activé. Parce qu'il y a une constellation, donc ça veut dire qu'il y a un autre mec qui fait des missions comme je fais les missions. Même si ça se trouve qu'il est sur place, hein, on verra. On verra bien après. Tac. Que ça va être comme tout à l'heure, non, c'est bon. À savoir, les amis, si vous avez des idées de vidéos sur Star Citizen, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Voilà, que ce soit. Si par exemple, même vous avez une envie de découvrir un métier ou quelconque autre métier sur Star Citizen, ou vous avez des idées concernant des métiers, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, j'essaierai de faire en sorte de vous apporter ce qui vous conviendra le mieux. En vidéo, par exemple, on m'a demandé un retour du Selvedge, enfin faire un tuto de Selvedge. Donc le truc, c'est, je pourrais le faire avec le Vultu ou même le Reclaimer. C'est pas le plus gros problème dans cette histoire. C'est pas du tout de faire le tuto. C'est juste qu'en fait, il n'y a pas grand chose qui a changé depuis ma dernière vidéo sur le Selvedge. Donc et pareil. Pour le minage, en fait, le minage, c'est exactement... Bah, il y a quelques trucs qui ont changé, on va dire. De nouvelles strates qui sont arrivées. Mais en soi, enfin, depuis les dernières vidéos, il n'y a pas non plus... voilà, 50 000 choses qui ont changé, on n'a pas de nouveaux vaisseaux. À la limite, ce que je pourrais faire, c'est réunir 2-3 mecs et faire du salvage en mall. Ça, c'est toujours... enfin, du minage en mall. On l'a fait en Reclaimer, donc pourquoi pas le faire en mall. C'est ça, c'est le petit truc qui pourrait faire la diff, on va dire. Après, voir ce que ça va donner par la suite. Mais là, du coup, ça veut dire qu'il y a un mec qui est venu là. D'ailleurs, ou alors sinon, c'est les pirates, parce qu'en vrai, ils auraient tiré dessus.
Ou alors ils tirent pas sur les vaisseaux où il n'y a plus personne dedans. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Je sais pas, je pourrais pas dire. Hop. Mais au pire des cas, nous, on est là pour défoncer les pirates. Et on va voir ce que ça donne. Vous voyez là, en l'espace de vraiment... allez, pour vous, c'est... Là, on est à 20 minutes de vidéo. Pour moi, une demi-heure, parce que j'ai eu le problème du FI qui était déglingué, donc du Coroco, mais en une demi-heure, on n'est pas loin des 70 000 AUC. Et je pense que cette économie de bunker, là, elle va pas trop changer, c'est pour ça que je dis que c'est pas mal. Ah, mais il me restait une balle. Pas mal. Est-ce qu'il compte à recharger ça alors qu'il ne restait plus qu'une balle? D'accord. Ok, très bien. Ça fait deux chargeurs où il n'y a qu'une seule balle. Je commence à me poser des petites questions des familles. Et bah, c'est normal que je me pose des questions de famille parce que... Hop, on va vite faire leur compte. Pas faire les cons quand même. Oh oh oh. Je me suis fait encercler. Ils sont énervés, hein. Et voilà. Bah, ils étaient quand même bien énervés quand même, hein. Faut dire les termes. Ils m'ont donné du fil à retordre, ces petits enculés. Donc je vous dis, je vous avais dit que ça allait changer. C'est un serveur qui blague pas trop, vous avez vu quand même que. Et bon, ils sont pas. C'est pas des PNJ non plus. Ça c'est du pompe, je crois. Ouais, ça me servira à rien. Mais ils sont pas non plus énervés au point de. Ok, ils ont failli quand même me voir. Je fais le mec, mais je suis passé à 13% d'HP. Hein, donc. Ah merde, je suis déjà full. Dommage. Zach. J'ai une petite T3 au torse. Ce qui est pas très grave. Après, ce qui m'a foutu dans la sauce, c'est que les munitions étaient pas rechargées. Tu tirais, c'était une balle par une balle. Ce qui était pas worse, on va dire. Tac. Et en plus, on a toujours un petit bug. C'est comme vous voyez, on voit pas le nombre de munitions qu'on a tout sur ce gendarme. Voilà. Tac. Donc là, je vais pouvoir. Me fout charger en munitions. Donc bon, en tout cas les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo sur les bunkers. On s'en fera peut-être un peu plus souvent pour monter un peu nos grades et nos réputations pour essayer d'atteindre les bunkers à 90 000 AUC. Donc je sais pas s'ils sont toujours d'actualité. De ce qu'on m'a dit, ils étaient toujours d'actualité. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on fera une petite vidéo de temps en temps comme ça où je montrerai... Les plus hauts grades, donc là on vous a montré du 20 000, du 30 000, et peut-être que les prochains épisodes, ça sera du 40 000, 50 000, enfin peu importe le nombre, mais en tout cas, j'essaierai de vous montrer ce que j'aurais débloqué en faisant les bunkers, à savoir que je vais pas en faire non plus des vidéos toutes les semaines, tous les jours, par rapport au bunker, parce que c'est quand même assez redondant en termes d'activité
sur Star, même si c'est un rapport ou quoi, c'est quand même redondant. Donc écoutez les amis, j'espère que vous aurez kiffé en tout cas cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, un petit commentaire si vous avez des idées de métier que vous voulez que je vous fasse découvrir ou que je vous fasse voir en vidéo. En commentaire, ça serait le top. Un petit abonnement, c'est gratuit, ça me fait plaisir, ça sert beaucoup de rien. On va atteindre bientôt les 1000 abonnés, j'espère, avant cet été ou avant la 3.23, même ça serait insane d'atteindre aux 1000 abonnés. Je compte sur vous, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.